Acclame, acclame, acclame encore ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es sûr que tu as très très bien acclamé pour le roi? Demande-toi si c'est ça l'acclamation qu'il faut. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est Dieu qui règne. Et parce qu'il règne, nous sommes sous son gouvernement. Et si nous sommes sous son gouvernement, ses ennemis sont nos ennemis et nos ennemis sont ses ennemis. Parce que nous sommes sous son gouvernement, nous jouissons des réalités de son pouvoir et de son gouvernement. Nous bénissons Dieu pour ce jour et pour le mois de novembre qui vient de passer et pour ce dernier mois que nous commençons et que nous allons effectivement achever avec lui. Jour pour jour, grâce par grâce, gloire après gloire, Dieu chemine avec chacun de nous. Nous bénissons Dieu. Nous venions de parler, nous avions amorcé la série des clés. Nous sommes en train de parler des clés, les clés du royaume de Dieu. Le premier jour, nous avons parlé de la compréhension des Écritures. La compréhension des Écritures. Et nous avons soulevé les réalités de cette compréhension. Sans elle, nous ne savons pas connaître Dieu, connaître sa parole et expérimenter la puissance de Dieu. Heureusement, Dieu aime que nous puissions y arriver. Nous avons parlé de l'autorité. Et hier, nous avions parlé en pratique de la prière. Parce que la prière n'aime pas beaucoup de théorie. La prière aime la pratique. Nous sommes allés en pratique. Aujourd'hui, au-delà des clés, nous voulons parler de celui-là même qui distribue les clés. Pour voir comment il peut les distribuer dans notre vie. Je parle du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit nous accorde ces clés-là. Avant de progresser pour nous parler des autres clés qui restent, parlons d'abord de l'Esprit de Dieu qui nous distribue ces clés-là. Et si jusque-là, tu n'avais pas accès à ces clés, il y aura une séance de distribution ce soir. J'annonce une séance de distribution. Le Saint-Esprit, le patron qui garde les clés. Vous savez, dans une maison ordonnée, toutes les clés ne sont pas en vrac. Il y a un endroit où vous pouvez retrouver ces clés. Et dans le royaume des cieux, il possède ces clés. Et il les accorde aux uns et aux autres. Et ce soir, nous allons assister à une séance de distribution de clés. Je sais qu'il y a des gens qui sortiront ici pleins d'autorité. Il y a des gens qui sortiront ici pleins de révélations. Parce que Dieu est un Dieu de révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler de l'Esprit de Dieu, pas globalement. Je ne suis pas venu ici parler des détails du Saint-Esprit. Voici, c'est la troisième personne en Dieu. Voilà comment il agit. Non. Ça, ce sont des enseignements que nous pourrons avoir plus tard. Je suis en train d'aborder le rôle de l'Esprit par rapport aux clés du royaume de Dieu. Comment il arrive à nous distribuer ces clés-là? Et je vais retourner en parlant d'une clé après une autre, comment l'Esprit nous les distribue. C'est juste pour que nous comprenions que nous n'avons pas de théorie, mais nous avons des choses pratiques dans lesquelles nous devons entrer. Donc, j'aurai trois points, si j'ai le temps. Si je n'ai pas le temps, je vais m'arrêter au deuxième point. Et les autres, nous allons voir plus tard. Parce que je sais que la semaine prochaine, les gens qui vont,
qui vont venir ici, c'est des gangsters du royaume de Dieu, je les appelle comme ça. Ils ont leur manière de travailler. Je suis sûr qu'ils vont bouleverser les atmosphères ici. Et j'aime les voir travailler la manière dont ils travaillent. Vous savez, avec le Saint-Esprit, il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés. Donc les gens qui vont venir ici, il y a Dayo Samuel, il y a Espérance Mbakadi. Je suis sûr que la semaine va être en ébullition. Quelqu'un ici va entrer en ébullition. Mais avant d'arriver là-bas, arriver à ce point-là, il y a des choses que vous devez aussi comprendre pour que vous ne soyez pas intimidés. Est-ce que vous êtes présents? Donc pour que vous ne soyez pas intimidés, c'est pourquoi je prends soin de vous dire comment ça se passe. Afin que vous-même vous soyez déjà prêts et peut-être vous-même vous commencez déjà à le faire avant même que vous soyez étonnés pourquoi certaines choses se passent. Est-ce que tu es présent? Voilà. Nous avons parlé de deux clés au départ, la compréhension et l'autorité. Maintenant, je vais d'abord aborder la première partie, le Saint-Esprit qui distribue la clé de la compréhension. Comment tu peux recevoir cette clé de la compréhension auprès de l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Et comment il faut collaborer avec lui pour avoir cette clé de la compréhension? Ma prière tous les jours, c'est comme Paul était en train de prier, que l'Esprit illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez saisir certaines réalités des Écritures. Laissez-moi dire ceci avant d'aller plus loin. Nous avons vu que la parole de Dieu est une semence et les gens qui ne comprennent pas la parole, le diable lui-même vient voler ça. Si les Écritures n'avaient pas une importance dans la vie de l'homme, le diable ne se mettrait pas en problème pour aller chercher à voler ça. Si le diable en personne cherche à vous voler la compréhension, c'est que derrière la compréhension, une grande chose. Et Dieu, qui sait que le diable est engagé à voler la compréhension, il envoie son esprit. Pour que l'Esprit lui-même soit là, pour garantir la compréhension des Écritures. Depuis le jardin d'Éden, il a floué, ce Satan-là, la compréhension des Écritures. Il a demandé à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que? Et quand il pose cette question, la femme essaie de raisonner, et c'est sûr que l'homme était à côté, il ne l'a pas aidé. Et tous deux, ils sont tombés. Mais le Saint-Esprit est là pour te garantir la compréhension des Écritures. Nous allons lire quelques passages de la Bible. Le premier est dans Luc chapitre 24, verset 45. Nous voyons quel était le souci pour Jésus que les gens comprennent que les Écritures, on ne peut pas les comprendre avec son intelligence humaine. Ça n'a rien à voir avec les niveaux d'abord intellectuels. Il y a quelque chose de spirituel derrière les Écritures. Jésus lui-même a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ici, nous lisons, Jésus est ressuscité. Au verset 45 de Luc chapitre 24, on nous dit ceci. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, les Écritures, la Bible que tu tiens, la contient des choses que tu ne peux pas comprendre avec ton intelligence humaine si le Seigneur ne vient pas t'ouvrir ton intelligence. Et des fois, tu peux raisonner avec ton intelligence, tu crois que tu as compris, tu n'as rien compris du tout. Et nous lisons Jean chapitre 16, versets 12 à 14. Avant cela, Jean chapitre 16, versets 12 à 14, on nous dit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle et il parle du Saint-Esprit. Vous connaissez ce texte. Jean 16, 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Si tu as la liberté de souligner dans ta Bible, le mot supporter est un mot capital. Ça ne signifie pas, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est le même mot qui se trouve dans Jean chapitre 1, là où il est écrit,
la lumière est venue dans le monde, mais le monde n'a pas pu le contenir. C'est ce mot-là. C'est un mot qui est utilisé pour un récipient, dans la capacité d'un récipient. Et ça, par exemple, le copo. Au lieu de transvaser bidon, est-ce que vous êtes présent? Donc, copo, ils ont mouqué, les qui mouqué. Quantité à maille, ils ont un bidon, et qu'on a un copo, parce que copo est qu'on supporte bidon. Ou alors, on a dit qu'il y a la Bible. Donc, il y a un copo, il y a un bidon, il y a un bidon, mais moi, je vais supporter un gros, et ça. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est-à-dire, il va vous rendre capable de contenir la parole. Il va agrandir votre intelligence afin que vous soyez en mesure de supporter la parole. Est-ce que vous êtes présent? Donc, l'Esprit de Dieu vient élargir ton intelligence. Imaginez-vous, on nous dit par exemple que si quelqu'un vient à moi et qu'il boive, quelqu'un qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, donc ta vie doit faire jaillir la puissance de Dieu. Mais ton intelligence est incapable de saisir ça. Est trop limitée, trop petit. Mais Seigneur, on a Thompson, on a pris à comment tu vas supporter de grandes choses? Mais je comprends qu'ici on commence à supporter de grandes choses. Hein? On commence à supporter de grandes choses. Vous pouvez vous imaginer. Je reçois une sœur l'un de ces jours, on m'a dit de ne pas citer le nom, dit, Dieu m'a convaincu de donner ma Jeep pour la construction de l'église. Hein? Et puis moi-même, je l'ai d'abord utilisé. Naniati frein, naniati nasimi. Et puis je vais donner la clé au président pour lui dire, vendez cette histoire et construisez la maison. C'est qu'elle a compris quelque chose. Est-ce que vous êtes présent? C'est une façon aussi de vous annoncer qu'il y a des choses qui se passent que vous ne savez pas contrôler. Que Dieu confisque la clé de contact entre les mains de quelqu'un et dit c'est pour moi. L'intelligence doit être ouverte parce qu'il ne fait plus de calculs. Na beti machine na moni o inakoro go zwa 10 000 et que nega. Verset 13. J'étais encore en train de lire le verset 12. Le verset 12 dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur, voilà comment on le présente, le paraclétos. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et fera quoi? Vous l'annoncera. Quand il viendra, le défenseur, on l'appelle comme ça, le paraclétos. C'est lui qui défend ta cause. Ayebi bien héritage na yo na lola. Ayebi ango. Quand on était en train de décider, il savait ça. Il était présent. Et dans les Écritures, on parle de toi quelque part. Il le sait. Et quand il vient, il t'ouvre l'intelligence des promesses. On les a pepo na yo. Mais s'il ne t'ouvre pas l'intelligence, tu vas dire oui, Abraham a été béni. Il a été vêtu. Mais tu ne sais pas que dans cette bénédiction d'Abraham, yo batama kunanasima. Tu es là-dedans et tu dois hériter avec lui. S'il ne t'ouvre pas l'intelligence, la foi ne viendra pas. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Si on n'a rien entendu de spirituel, vous ne savez pas saisir. Nous parlerons de la foi la fois prochaine. Anyway. Donc, voyez-vous, le Seigneur dit déjà que quand il va venir, il va vous élargir. Aujourd'hui, quelqu'un aura une intelligence élargie. Capable de comprendre les choses. Et nous allons dans un autre verset. J'aimerais avancer un peu pour comprendre que cet élargissement de l'intelligence, l'Esprit de Dieu a plusieurs manières de le faire. Et s'il arrive que ce que je vais lire ici vous arrive ce soir, il ne faut pas vous étonner. Il ne faut pas vous étonner. Vous connaissez l'apôtre Pierre. Pierre a vécu avec le Seigneur. Et il avait sa façon de voir les choses. Les païens, c'est-à-dire les non-juifs, c'était des gens qui ne pouvaient pas hériter. Hériter.
de la part de Dieu. Et lui considérait que c'était comme ça. Mais pour que Dieu arrive à le convaincre que même les non-juifs ont le même droit en Jésus-Christ, il lui a fallu tomber en transe. Vous comprenez ça? Est-ce qu'il faut passer par une transe pour comprendre la vérité? Si Dieu doit passer par là, il passera par là. C'est pour vous dire que comprendre certains événements de ta vie, ce n'est pas une affaire. Peut-être tu vas chez un prophète, tu crois que si tu le poses, Dieu est capable de te faire entrer dans un processus pour que toi-même, tu sois capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie et qu'est-ce que les Écritures ont prévu pour toi. C'est important. Il est Pierre, on raconte, vous allez lire dans, au chapitre 10. Les actes des apôtres. Au chapitre 10, les actes des apôtres, lisez ce chapitre-là, il va vous émerveiller à partir du verset 20. Mais moi, je lis ce qui s'est passé après. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était en prière. Le temps de manger est arrivé. La Bible dit qu'il est tombé en transe. Il était en train de prier et puis il est tombé. Vous savez que des fois, on peut picler quand l'Esprit de Dieu est en train de te toucher. On peut picler là. On picler. On peut sentir net que Yohan n'a aucun. On picler. On picler comme ça. Mais celui qui te touche, il est plus fort que le piclement. Est-ce que vous avez ça? Le piclement, on a ça. Mais il est le plus poli possible. Ce que vous avez résisté à aussi mbayote. Mais il y a moi, il y a eu pour l'année dans un mémoire dans la dimension. J'aimerais que vous ne puissiez pas résister à l'Esprit de Dieu s'il vous touche. Vous le laissez faire ce qu'il veut faire dans votre vie. L'Esprit là qui résiste, là dit, ah, mais bah, ouais, mon ami. Bah, ouais, mon ami. Bah, mon ami. Bah, mon ami. Laisse-le te toucher. Lui sait qu'est-ce qu'il veut te transmettre. Toi, avec ton raisonnement, tu dis, non. On dirait que on dirait tout ça. Ok, qu'on est dans le raisonnement, mais tu ne feras rien avec ça. Pierre était seul en train de prier. Il tombe en transe. Moi, je pose la question à Dieu. Devais-tu passer nécessairement par là pour lui montrer ça? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi Dieu doit passer pour certaines personnes dans des manifestations, des actions telles qu'on devient même ridicule? Le premier jour que j'ai parlé en langue, je me suis trouvé ridicule. Parce que je ne contrôlais pas ma langue. Il y a des histoires qui se sont dit, non, ce n'est pas ici, ce n'est pas possible. Et un des jours où j'ai eu des choses extraordinaires, je crois que j'ai prié deux fois et puis après j'ai arrêté. J'ai dit à Dieu, non, j'étais dans une salle. Dieu me dit, ce qui va t'arriver, c'est ça. J'ai dit, non, moi je ne partirai pas là-bas et tout ça. J'étais à genoux en train de demander à Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Pour la première fois, une forte lumière remplit la salle où j'étais. Mais quand je me suis rendu compte, j'étais en dessous du bureau, en dessous. Et la porte du bureau était ouverte. J'ai aussi regardé, oh, mais si quelqu'un passait là, on allait vite m'amener. Bon, ok, je me suis agenouillé encore. J'ai prié, et le Seigneur était en train de me donner un message. Ça arrive encore pour la deuxième fois. Il me dit, ça sera difficile pour toi, mais je serai avec toi. Et puis je me réveille, je regarde, j'étais encore sous la table. J'ai dit, Seigneur, soyons sérieux. Si tu as vraiment quelque chose à me dire, je ne vais plus continuer comme ça. Je suis sorti carrément. Je suis carrément sorti de l'endroit où j'étais. J'ai dit, si tu as encore à me dire, cherche une autre manière. Et il ne me l'a plus rien dit. J'aimerais que vous puissiez comprendre cette dimension-là. Alors, Pierre plutôt, il est tombé en transe. Il a vu une nappe qui est sortie du ciel. Avec des quadrupèdes. On lui dit, mange, tue ça, mange. Il dit, de ma vie, jamais je n'ai mangé des choses impures. Et puis Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, tu ne peux pas, toi, un être humain, le déclarer impur. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si Dieu t'a déjà déclaré pur, il n'y a personne sur la terre, personne ne peut te déclarer impur, parce que Dieu dans le ciel, le Dieu de justice, le Dieu qui sanctifie, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui purifie, il connaît ta vie plus que toute autre personne.
Et si lui déjà te déclare sauvé, pur, sanctifié, personne ne peut amener des tâches dans ta vie selon sa manière de penser et de voir les choses. Alors Pierre sort de là, il va chez Corneille, il commence à prêcher, le Saint-Esprit descend, il baptise ces gens-là. À Jérusalem, comme c'est toujours le cas, les hauts conseils là le condamnent. Yo, Révolia n'a pas païen, ça ne va pas ça. Comment tu peux aller manger avec les païens? Et lui maintenant leur raconte ce qui est arrivé. Et c'est ça que j'aimerais lire ici. Actes des Apôtres, chapitre 11. Je lis juste à partir du verset 13. Juste à partir du verset 13 pour une meilleure compréhension. Il est dit ceci. Maintenant c'est Pierre qui parle aux autres apôtres. Il leur parle d'abord de Corneille. Au verset 13, il dit, cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et dire, envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Et il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je m'arrête un peu là. Quand est-ce que Pierre s'est souvenu? Vous savez, la promesse de Jésus, Jésus leur disait, j'ai encore beaucoup de choses à faire quoi? À vous dire. Vous êtes comme de Koponganzan et de bidon. Mais vous ne saurez pas le contenir. Quand l'Esprit viendra, il va vous élargir. Vous comprendrez. Donc, Pierre est passé par un processus où son esprit a été élargi. Pendant qu'il était en train de prêcher, il voit le Saint-Esprit agir sur les gens pendant qu'ils entendaient la prédication. C'est comme Mongali disait ici, que vous basez la affaire à prière. Il y a des effets qui se passent pendant que vous entendez là, ça se passe aussi au même moment. Il dit, pendant que je parlais, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début, c'est-à-dire même mouvement où on a senti, lui-même avait senti la force, les gens chez Corneille étaient bousculés par l'Esprit de Dieu. Il dit, et puis, moi, en voyant ça, je me suis souvenu. Avant ça, il ne savait rien. Je me suis souvenu que c'est Jésus qui a promis de baptiser des gens avec la puissance de l'Esprit. Je me suis souvenu. Et puis le verset 17 dit, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je moi pour m'opposer à Dieu? Écoutez la suite. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant, Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer de vie, de se convertir et d'avoir la vie. Et aussi ont compris. Donc l'Esprit a travaillé successivement dans le cœur des uns et des autres pour qu'ils arrivent à la compréhension. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que tu peux être en avance de compréhension. Alors, quand tu es en avance de l'incompréhension, quand tu es en avance de compréhension, tu subiras l'incompréhension des autres. Est-ce que tu es présent? Si Dieu t'ouvre déjà les yeux et que tu comprends, ceux qui ne comprennent pas seront un peu en retard. Mais il faut patienter jusqu'à ce qu'ils comprennent. Vous allez voir, dans une maison, celui qui connaît un peu les Écritures va commencer à discuter beaucoup avec ceux qui ne connaissent pas. Ça ne sert à rien parce que vous ne mettez pas sur la même compréhension. Il faut attendre que les autres comprennent aussi. Comme Jésus disait à Pierre, quand tu étais enfant, tu mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais à un moment donné, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture. Pierre ne comprenait rien de ce que Jésus voulait dire. Il a compris ça plus tard, quand il devait mourir. Et le Seigneur, il a la capacité, avec le Saint-Esprit, de vous préparer à comprendre. Aujourd'hui, tu peux rêver, tu fais un rêve, tu ne comprends rien. Mais un jour viendra où le Saint-Esprit te rappelle. Ce que tu as vu là, même si tu ne comprends pas, il met des dépôts dans la vision, dans des rêves, dans des trucs. Tout ce qui te fait voir là, c'est pour t'aider à avancer dans la compréhension. Il y a certaines choses, il est obligé de te faire passer par des événements
que tu ne peux pas contrôler toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Cherchez-le, cherchez qu'il agisse en vous. Il va élargir votre intelligence et vous serez capable de faire, de recevoir la puissance de Dieu et la compréhension. Ne lui résistez pas. Chaque fois, il y a même quelqu'un qui m'a dit, Naitan nazo bon de l'on a senti comme si, mais quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il veut t'amener. Quand Pierre est entré en transe, il ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Il ne savait pas qu'on préparait un ministère pour lui là-bas. Il ne savait pas. Mais quand vous lisez ce passage, peut-être que ça ne vous dit rien, mais laissez-moi un peu vous faire voir un élément important qu'il y avait là. Et quand je lis ça souvent, je me dis, mais des fois, nous ratons certaines choses à cause de la nourriture. Regardez Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10. J'ai juste un élément que je voulais... Verset 10, c'est juste le verset 10 et 11. Il est dit ceci, il y eut faim. Non, verset 9 d'abord, verset 9. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Java, donc les gens que Corneille a envoyés, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était en train de prier. Et puis on dit, il était à peu près midi. Il priait. Et puis le verset 10 dit, il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en transe. Vous remarquez ça. Il était en train de prier. Il a eu faim. Il a arrêté la prière. Il faut en adamer. Il faut en lia. Pendant qu'on lui préparait la nourriture, Dieu sait que si ce monsieur mange cette nourriture-là, il va s'affaiblir, il va dormir, il va se reposer. Il faut qu'on attaque Yesikoy. Imaginez-vous, pendant qu'on lui prépare la nourriture, il se repose, pan, il entre en transe. Il est en train de voir des choses qu'il n'a jamais imaginées. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire, c'est que l'Esprit de Dieu nous a été envoyé pour nous aider à saisir cette clé de la compréhension. Et chaque fois que nous l'invoquons, cherchons à ce qu'il nous ouvre l'intelligence. Pour que nous soyons capables de comprendre des choses qui nous concernent. Ne sois jamais ignorant des choses que Dieu a prévues pour toi. Que le Seigneur ne dise pas de toi comme il a dit à Jérusalem. Si vous aviez connu le temps, si vous aviez la connaissance du temps que vous avez été visité, utilisez la prière comme des moments où vous cherchez à ce que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Des fois, il fait des effets comme l'ivresse. Et quand ça arrive comme ça, il ne faut pas avoir peur. Où est le problème? Puis aussi la nangope ou kende nayope. Et la rande ngwana. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Comment ton amen, il est triste. Amen. Deuxième chose, nous avions parlé de la clé de l'autorité. Et nous avions dit que c'est l'Esprit qui nous accorde cette autorité-là. Alors j'aimerais revenir là-dessus pour insister et montrer comment l'Esprit de Dieu nous confère ou nous accorde cette autorité-là. J'avais dit l'autre fois, sans aller dans les détails, c'est qu'il nous donne de son onction. Il nous oint. Il nous donne de sa capacité. Et ici, j'aimerais donc parler de cette action de l'Esprit qui nous oint, qui nous donne une onction particulière. Dans la Bible, il y a trois types d'onction que l'Esprit de Dieu donne, ou donnait dans l'Ancien Testament, mais ces trois-là sont à ta disposition. Dans l'Ancien Testament, ces onctions-là étaient séparées. Mais dans le Nouveau Testament, ça s'est retrouvé toutes ces onctions dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu es en Christ, l'une de ces choses-là peuvent t'arriver. Il y avait l'onction qu'on donnait au roi pour régner, l'onction qu'on donnait aux prêtres
est l'onction que possédaient les prophètes. Et Jésus, il a ces trois. Il avait sur lui, il était roi, il était sacrificateur, il était prophète. Alors, j'aimerais lire quelques passages pour nous aider à comprendre que quand les saints, quand Jésus dit « Le Saint-Esprit prendra de ce qui est en moi et vous communiquera », c'est qu'il prendra de l'autorité qui est en Christ et il vous communique. Parce que vous êtes la souche, vous êtes la semence de Christ et vous devez refléter ce qu'il a été. Regardez l'onction royale. L'onction royale de Christ est une onction, une application ou une concrétisation de ce que Dieu avait promis à David, mais ça se manifeste sur le plan spirituel. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans les Actes des Apôtres, le texte que je venais de lire, chapitre 10, mais un peu plus loin. Chapitre 10, versets 38 à 44. Actes des Apôtres. Oh, nous allons prier que cette onction tombe sur la vie de quelqu'un ici. Nandimige ezali yo. Nandimige ezali yo. Ndengo vandwa. Une onction royale pour que tu règnes comme Christ règne dans le ciel, tu règnes sur la terre. Bon, si vous avez dit, zéro. Verset 38. C'est le message que Pierre a donné chez Corneille. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant à la croix, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse non pas à tout le peuple, mais au moins aux témoins plutôt choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient, qui écoutaient la parole. Amen. Ici, Pierre est en train de faire comprendre à Corneille et à toute sa maison que Jésus a reçu une onction pour régner sur les vivants et les morts et les juger. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui, et il en a exercé, non pas contre le gouvernement des hommes, mais contre le gouvernement du diable. C'est lui-là même qui avilit les hommes, c'est lui-là qui pervertit les hommes. Jésus a agi, il a chassé les démons, il s'est imposé, il a confisqué au diable tout ce que le diable détenait. Et moi je prie qu'avec l'onction de l'Esprit, nous puissions commander dans nos communautés et sortir les gens que nous voyons que le diable a dominés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'onction royal te permet de régner et d'exercer le pouvoir de Dieu partout où le diable manifeste son autorité. Visiblement, tu peux être dans le circuit du gouvernement ou tout ce que vous voulez, mais la réalité, c'est que cette onction vous permet d'agir au nom du royaume de Dieu, de celui qui est assis sur le trône, de commander, de faire chasser, de chasser ou de provoquer des miracles autour de vous, parce que cette autorité est en vous. C'est important. Et puis ça ne peut pas venir des hommes. Le problème, c'est quoi? On a peur de voir que ça peut aussi m'arriver à moi. Ici Pierre dit, nous sommes témoins, nous à qui le Seigneur a permis que nous puissions assister à le voir, à voir ces choses-là et à les vivre. Il a parlé de ce Jésus qui a reçu cette onction et qui distribue. Et Jésus, en parlant de ça, je ne vais pas vous lire tous les textes, mais il a rappelé
Le passage d'Ésaïe 8 et 18 qui dit, voici moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Donc quand tu es avec Christ, tu es dans la domination. Et le Saint-Esprit en Christ vient nous oindre, nous donner cette capacité-là. J'avais lu un passage ici. J'aimerais éclairer quelque chose. J'avais lu un passage ici où il est écrit que Jésus a soufflé sur ses disciples et dit, recevez l'Esprit. Mais après, il leur dit, vous devez rester à Jérusalem pendant que moi je pars, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. C'est la dimension de cette onction qu'il devait attendre. Je ne veux pas dire que quand vous avez reçu le Christ, l'Esprit n'est pas en vous. Il est en vous. Mais il n'opère pas encore dans une dimension de vous sortir du lot. C'est vous qui devez aspirer à ça. C'est vous qui devez le laisser. Et aussi longtemps que vous lui résistez, il sera là, garantissant que vous êtes enfant de Dieu, mais un enfant qui n'accomplit rien du tout. Et pourtant, il est là. Imaginez-vous, peut-être vous n'avez jamais fait ça, mais on vous envoie pour aider un enfant qui doit prendre un cours. Vous arrivez, vous voulez enseigner à l'enfant, dit, écoutez, ici, il faut faire ça. Non, non, moi-même, je connais. Naïbi Nanga déjà. Bon, Oyebi, Siko, Laksana, rien. Au moment où il proclame qu'il connaît, fais un peu ça, il ne fait pas. Tu seras frustré. Et c'est ça la frustration du Saint-Esprit. Nous, nous voulons lui faire comprendre que nous, on connaît. Nous, on sait, on connaît. Et lui qui veut nous guider, il est frustré en nous laissant faire parce que nous voulons lui faire croire que nous connaissons. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de laisser l'Esprit de Dieu agir dans votre vie, de le chercher de manière à ce que non seulement il illumine votre intelligence, mais qu'il vous qualifie davantage pour que vous posiez des actes comme un petit roi. Est-ce que vous savez que vous êtes des reines et des rois? Mais quel est ce roi-là qui ne se fait jamais obéir? Donc, or, Dieu veut se rassurer que là où vous êtes, vous puissiez exercer ce pouvoir. On ne l'exerce pas avec la colère. On ne l'exerce pas parce que vous êtes âgé au milieu des petits. Rien. L'âge ne compte même pas dans cette affaire-ci. J'ai vu un frère fermer le poing comme ça devant un démon. Au nom de Jésus. Et puis, je suis le regret. Comme on en a, il donne le nom. Et puis le frère prononce mal le nom. Il me dit, yo, tel, je ne veux pas citer ici. Sors. Bengi, comment on a ma B. Comment on a yango anana ibsaki yo. Il dit, yo, zo résiste. Il dit, frère, awa baswa na gate. Baswa na gate, awa. Et je me rappelle l'autre qui ferme le poing. Il dit, le démon dit, mon frère, dit, Néné Obenga, frère. Néné Obenga, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez un pouvoir que vous devez exercer. Moi, j'ai prié que Dieu vous dote tellement d'un pouvoir que même les sorciers avec qui vous vivez, dans les milieux où vous vivez, puissent devenir mal à l'aise. Et comprendre qu'ici, moi je ne peux plus régner. Nous avons été longtemps bloqués par notre ignorance. Nous avons été longtemps bloqués par notre laisser-aller. Nous avons auprès de nous un plus grand que Samson. Si Samson a défendu sa ville, le Saint-Esprit est plus grand que Samson. Il peut défendre mon foyer. Il peut défendre mon intelligence. Il peut défendre mon travail. Il peut défendre ma progéniture. Il peut défendre ma promotion. Il peut défendre mes affaires. Il peut défendre ma vie. Il est le défenseur qui a été envoyé depuis le ciel. Ce n'est pas un défenseur tribal. Ce n'est pas un défenseur des hommes. C'est Dieu qui est descendu pour défendre ta vie, pour te défendre toi-même, pour défendre les couleurs du royaume, afin qu'équipé pour la terre, il est descendu dans ta vie pour te donner la force. Il dit, il ne faut pas équiper Epola. Il faut que tu chasses les démons. Il faut que tu guérisses les malades. Il faut que tu agisses. Équipe Kogigo pour la terre. Moi, je suis là pour te donner la force. Il est là pour t'aider. Il n'est pas là pour te juger. Il est là pour t'aider. Et quand tu tombes dans le mal, il est là pour te dire, il y a le sang de Jésus qui est là.
le sang de Jésus est là. Lave-toi, purifie-toi. La guerre est longue, nous devons aller de l'avant. Et toutes les fois que tu tombes, tu restes là en train de te culpabiliser, tu ne l'as pas entendu. Tu ne l'as pas entendu parce qu'il est écrit que celui qui dit que je n'ai pas de péché, il fait Dieu menteur. Mais celui qui reconnaît qu'il a des péchés, qu'il les confesse et les délaisse, il obtient miséricorde et il fonce. Il est venu pour t'expliquer les Écritures, mais pour te doter d'une onction d'un roi. Vous savez, un roi, il ne pleure pas n'importe comment. Un roi ne pleure pas devant n'importe qui. Un roi n'exprime pas ses problèmes devant n'importe qui. Sinon ceux de la cour royale. Quand Saül a quitté son trône, il est allé voir une nécromancienne pour dire Yepsanga soki gero eza bien soki mabe. Il est déjà parti de la cour royale où il y avait des sacrificateurs. Et pour une fois, on ne sait pas comment Dieu permet les choses. Cette nécromancienne invoque Samuel Abimi. Mais même si est-ce que quelqu'un ici comprend? Samuel apparaît devant le miroir de cette nécromancienne. Binomo ke notar miroir. Tout ça miroir mon roi va bien en Bible. O mitali kuno moni tel il est dans le ciel tel je suis sur la terre. Oui biloko pa mana. Et puis il voit Samuel dit ah la femme a tremblé. Yo makam ni no selinga habite. Yepsangala no lobini il dit aujourd'hui tu vas me rejoindre. Yo un autre message. Aujourd'hui là tu vas faire quoi? Tu vas me rejoindre et puis à Koufina et puis à Koufandengwana. Qu'est-ce que le diable a comme bonne nouvelle à te donner? Quoi? Et supposons que tu ailles chez un vrai nécromancien, tout ça. Magambo et Outiwap, il va te dire Outinaba Koko et puis c'est vrai. Et puis après. Et puis après. Il y a des gens qui sont partis des familles. Moi, nous, à Koufi. Et puis, ça dit, oh oui, et ça, Foulani, Kogotel, Moutassa, vous allez, vous tabassez. Et puis après. Rien. Ça ne sert à rien. Mais la bonne nouvelle se trouve auprès de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit peut te donner la force d'agir de manière à ce que la puissance de Dieu se manifeste. Et cette puissance, elle est prête à se manifester n'importe où, n'importe quand. Et quand tu as cette onction, tu peux paralyser tous les petits qui se trouvent autour de toi. Sachez-le, que vous n'utiliserez pas l'intelligence des hommes, mais la puissance. Deuxième onction, comme Jésus a l'onction là, il a été oint pour faire du bien. Toi aussi, tu es oint avec Jésus-Christ. Et ce soir, l'Esprit peut te déléguer ce pouvoir-là. Fait te déléguer ça. Deuxième onction, c'est l'onction des prêtres ou des sacrificateurs. Il avait aussi ça. Dans les temps anciens, on voyait le roi, il était différent des sacrificateurs et différent du prophète. Mais en Jésus-Christ, tout ça, fusion. Et puis, yopé ozawana. O balouaboye, royal et agir. O tourné pas en zambé, sacerdotal et agir. O kendena monde, prophétie et agir. Et tu es comme ça. Oh, j'aimerais que tu te voies dans la peau que Dieu te voit. Pour ne pas trembler devant n'importe quoi ou ne pas être n'importe qui. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Je lis juste le verset 20 à 26. Il est dit ceci. Le Christ, grand prêtre pour l'éternité. Ça, c'est le titre chez moi. Il est grand prêtre, pas vos grands prêtres ici. Yabitendi. Tu vois quelqu'un abîmé, voilà. Grand prêtre, pensa grand. Il commence aussi à changer de démarche. Nous avons un grand prêtre qui n'a pas une date de naissance et une date de décès et qui s'arrête là. Il vient depuis l'éternité. Il est entré dans notre système à une date que les gens ne connaissent pas même jusqu'aujourd'hui.
Les uns fêtent 25, les autres critiquent ça, mais nous nous fêtons parce qu'il est quand même venu. Et puis il retourne sans que personne ne l'empêche. En outre, écoutez cet argument ici. Vous allez lire, ayez l'habitude de lire ces histoires. Moi, je prends seulement des portions. En outre, tout cela ne s'est pas fait sans serment. Donc, Dieu n'a pas établi Christ comme grand prêtre sans serment. Les autres prêtres ont reçu la prêtrise sans un tel serment. Mais Jésus est devenu prêtre en vertu d'un serment que Dieu a prononcé. Quand il lui a dit, le Seigneur l'a juré. Et il ne se repentira pas sur son engagement. Tu es prêtre pour toujours. Il a été nommé, il a été onctionné prêtre pour toujours. Ainsi, Jésus est devenu le grand, le garant d'une alliance meilleure. De plus, de nombreux prêtres dans l'Ancien Testament se succèdent parce que la mort les empêche d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Quelqu'un peut l'acclamer très bien. Dans le ciel, Jésus est entré avec son propre sang. Il a aspergé sur l'autel pour dire, le pardon du monde est obtenu à partir d'aujourd'hui. Quiconque me reçoit comme Seigneur, le Saint-Esprit est descendu là-bas pour commencer à mettre les cachets dans la vie de tous ceux qui me reçoivent parce qu'ils commencent, ils m'appartiennent. Et c'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne veux pas, le travail ne sera pas accompli. Parce que quand je vais aller là-bas, je vais offrir le sacrifice pour vous tous en présence du conseil du ciel. Une fois que je termine, maintenant le Saint-Esprit va prendre la valeur de ce sang-là, Rokitanango. Quand il va te oindre comme prêtre, tu seras prêtre selon la méthode de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, me voici avec les enfants que Dieu m'a donné. Nous sommes des signes et des présages en Israël. C'est important de comprendre qu'avec Christ, nous sommes là pour servir ce Dieu vivant. Nous sommes là pour être en mesure de parler de ces hommes à Dieu, d'intercéder, d'être à l'avant-plan. Je vous ai dit la fois passée que notre ministère des sacerdoces, la partie de la clé dont je parlais là, c'est le service que nous rendons à Dieu. Et nous aujourd'hui, comme Christ est au ciel, en train d'intercéder pour nous, nous nous sommes sur la terre en train de convaincre les gens à aller. C'est pourquoi il est dit, ceux à qui vous pardonnez, on leur pardonnera aussi. Ceux pour qui vous liez le mal, ça, vous savez, et ce soir j'aimerais que vous allez débloquer quelqu'un. J'espère que vous allez débloquer quelqu'un que vous avez bloqué. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelqu'un qui vous a fait tellement de mal que vous avez bloqué. Et la personne est bloquée. Mais quand vous bloquez quelqu'un comme ça, vous rassurez-vous de ne faire aucun mal. Parce que si vous tombez aussi dans le mal, vous aussi vous êtes bloqué. Parce qu'on vous pardonne dans la mesure où vous pardonnez les autres. Pardonne-nous nos offenses indépendamment de la manière dont nous nous comportons aux autres. Est-ce que c'est comme ça? Non. Et l'ingérosa, le pouvoir, on a problème de yangwana. Quand tu bloques quelqu'un, toi aussi on te bloque. Parce que tu es dans un pouvoir en chaîne. Il y a aussi quelqu'un qui te regarde là-bas. C'est important de comprendre que nous avons la capacité d'être des vrais prêtres. Alors maintenant, regardez la réalité spirituelle. Des choses que vous devez comprendre. Le prêtre est là pour faire la liaison entre les hommes et Dieu. Il était là pour offrir des sacrifices. Mais dans notre rôle aussi,
Nous sommes là pour sanctifier les différents lieux où nous sommes. Et prier pour que les hommes puissent connaître Dieu. Vous savez que c'est dans votre qualité de prêtre que vous sanctifiez une maison dans laquelle vous entrez. Vous n'avez pas besoin d'amener cette affaire là où Bimarami Lingawana. Voilà, quand même. Tu n'as pas besoin d'amener ça. Tu entres seulement dans une maison, tu dis, je sanctifie ces lieux au nom de Jésus-Christ. C'est dans ta qualité de prêtre. Et dans ta qualité de roi, tu chasses les démons. Mais dans ta qualité de prêtre, tu prépares le terrain pour Dieu. Nous avons donc cette capacité de préparer le terrain pour que Dieu se manifeste, de travailler pour Dieu auprès des gens, de leur communiquer l'amour de Dieu, de leur communiquer la compassion de Dieu, de leur communiquer les choses que Dieu prépare pour eux. C'est notre travail. C'est pourquoi il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Ça c'est général. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il y a deux degrés d'amour différents. Aime ton prochain comme toi-même. Or toi-même tu peux te haïr. Mais quand il dit, je vous donne un commandement nouveau. Le jour où Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il leur a donné un nouveau commandement. Il dit, à partir de je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est différent d'aimer son prochain comme soi-même. C'est très différent. Parce que soi-même, on peut se condamner et on condamne le prochain. Mais si tu aimes ton prochain comme Jésus t'aime, ça c'est différent. C'est très différent. Bien-aimés, nous sommes des prêtres selon le modèle, à la manière de Christ. Et nous devons exercer notre fonction. C'est pourquoi quand tu te lèves, tu pries à un endroit, Dieu t'exauce. Quand tu te lèves en faveur d'une famille, tu commences à prier. Parce que tu as ce travail-là, Dieu va intervenir. Et il faut le faire avec beaucoup de courage. Parce que vous avez l'onction de le faire. Et dis-moi, là, on a depuis. Mais vous voyez même des gens qui ne sont pas des pasteurs chez eux, dans le boulot, on les appelle pasteurs. Pourquoi? En réalité, c'est des vrais pasteurs. Et quand ils prient pour les gens, Dieu les écoute. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois prêtres. Et la troisième onction. Je vais terminer rapidement. C'est l'onction de prophète ou de prophétie, la capacité de recevoir et de transmettre la parole de Dieu, la capacité de lire les événements du monde et de tirer la compréhension. Ça, c'est important que vous compreniez. La dimension de la prophétie qui est sur le corps de Christ. C'est la dimension de recevoir la parole de Dieu, de la transmettre au monde, mais aussi la dimension d'être en mesure d'interpréter les événements de ce monde. C'est dans cette qualité-là que tu peux interpréter les messages que Dieu donne aux gens. Ah, na lotaki boye, na monika boye, tout ça, Dieu peut t'aider à comprendre quel est le message que Dieu donne à cette personne-là, même si tu en viens à certains dons particuliers. Écoutez ce que dit Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Il est dit ceci. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Amen. Après nous avoir parlé par des prophètes, plusieurs, Dieu a trouvé un tout dernier. Celui dont Moïse a parlé, qu'après moi, Israël, Dieu vous enverra quelqu'un d'autre. Et au chapitre 3, Hébreux 3, 5 à 6, dernier texte, on compare Jésus à Moïse, parce que Moïse était considéré comme un grand prophète d'Israël. Et il est dit ici au verset 5 et 6, Moïse pour sa part a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard. Le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est qui? Sa maison,
Christ est à la, comme fils à la tête de sa maison, et sa maison c'est nous. Si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Amen. Donc cette onction était en Christ. Je peux donner plusieurs autres passages pour prouver que c'était en Christ. Et Christ lui-même a dit, quand l'Esprit viendra, il prendra de ce qui est en moi et fera quoi? Il vous le communiquera. Donc tu as aussi cette capacité de parler de la part de Dieu. Tu n'as pas d'abord besoin d'être prophète pour ça. Mais du fait que tu as l'onction de Dieu, l'évangile nous a été donné. Tu peux parler de la part de Dieu. Tu peux chasser les démons. Tu peux imposer les mains sur les malades. Tu peux faire toutes ces choses là parce que l'onction de Dieu agit dans ta vie. Et ce soir, je suis venu te dire que cette onction là nous aide à comprendre les Écritures. Cette onction là nous qualifie pour exercer le pouvoir. Et cette onction là nous aide à prier. Nous avons parlé de la prière hier. Vous allez noter chez vous Romains chapitre 6, verset, chapitre 8, verset 26. Il est dit que même la prière, nous ne savons pas la faire, mais le Saint-Esprit vient nous aider. Il est là pour nous aider à prier. Nous ne savons pas par où nous devons commencer, mais l'Esprit vient nous aider. Alors ce soir, nous allons nous tenir debout pour demander à l'Esprit de venir nous aider afin d'élargir notre compréhension des Écritures. Oh bien-aimé, il y a des promesses que Dieu t'a données, mais tu ne les comprends pas. Le jour où tu les comprendras, ta vie changera d'attitude. Mais tu as besoin que l'Esprit vienne changer ta capacité, élargir ta capacité. C'est ce moment pour lequel nous voulons lui laisser le temps et lui dire, nous sommes là, viens. Et je vous assure, il va toucher certaines personnes de manière particulière. Mais le conseil que je te donne, c'est de les laisser faire son boulot, son travail dans ta vie. Chez certains, il le fait calmement, avec anesthésie. Il ne sent rien. Le Seigneur fait seulement les choses. Mais d'autres, à sa manière, il les touche littéralement. Chacun de nous, selon l'ouverture de son cœur, va laisser l'Esprit de Dieu travailler. Et je sais que les quelques minutes que nous allons commencer à chanter ici, l'Esprit de Dieu va commencer à agir et visiter. Pendant ce temps, pendant que l'orchestre est en train de chanter, de louer Dieu, parce que pour qu'il agisse, il faut commencer à louer le Seigneur. Pendant que nous serons en train de louer le Seigneur, vous ouvrez votre cœur à l'Esprit. Dites-lui, me voici, je reste à ta disposition. Il y a des choses que tu dois me révéler que je ne connais pas. Ouvre mes yeux. Bon, moi, mutuni niaza Esprit. Misunaya amolimo et monagate, matoi naya amolimo et yogagate. Toi, tu dois avoir des yeux spirituels ouverts. Tu dois avoir accès à certaines réalités spirituelles. Et tes yeux vont s'ouvrir. Il y a des gens qui vont voir des choses incroyables. Vous savez, nous allons tenir debout. Un jour, j'étais assis là, comme souvent. La salle ici, même si elle n'est pas décorée à la manière dont nous aimerions voulu, mais les anges entrent dans ces lieux, ça je vous assure. Amen. Ce jour-là, je vous raconte ça parce que des fois je vois ces êtres-là au milieu. Moi, je n'ai pas l'habitude de commencer à parler de ces choses-là. Mais quelqu'un était debout ici, ce qui m'a étonné. C'est quelqu'un était debout ici, avec les mains en l'air comme ça. Il était en train de louer. Il était vraiment radiant. Et Jules était ici. Il était à genoux ici. Il était en train de chanter, de chanter, de chanter. Il était en train de prier, de conduire la prière. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il a quitté ici. Il est venu exactement là où était la personne. Il a entonné la chanson qui dit, ensemble avec les anges, nous chantons tout ça. Il a entonné ça. J'étais curieux en train de regarder. J'ai dit, petit one, est-ce que vous avez ma maison salée? Il a chanté, j'admirais là-bas. Je suis resté là, je dis, ah Seigneur, tu es ici. Et il y a eu beaucoup de grandes choses qui se sont passées ces jours-là. Peut-être nos yeux, et peut-être que Dieu peut t'ouvrir. Mais s'il ne t'ouvre pas les yeux, c'est qu'il veut que tu utilises ta foi. C'est important, bien-aimé, dans le Seigneur, parce qu'il a dit, heureux ceux qui ont cru
sans avoir vu. Mais s'il veut que tu voies, personne ne peut l'empêcher à ce que tu vois quelque chose. Il y a donc des phénomènes qui se passent ici. Sois prêt parce que il est prêt à confisquer ce problème-là parce que tu appartiens au royaume de Dieu et les royaumes des ténèbres ne doivent pas te faire souffrir. Aucun pouvoir de l'ennemi ne doit continuer à agir dans ta vie. Dieu veut mettre dans ta vie des signes véritables du royaume de Dieu. Adore-le et laisse l'esprit agir en toi pour élargir ton intelligence, que tu comprennes les Écritures, que tu reçoives l'onction ce soir pour agir d'abord dans ta vie avant d'agir par ta vie.